Ouh, 13. nous voici sur le trou numéro 13. Donc vous imaginez bien, on a joué 12 trous avant, il y en a quelques-uns qui vous étaient présentés en vidéo. Je suis avec Christian aujourd'hui au golf d'Apremont. Une partie splendide, hein, agréable, compte tenu de la météo, compte tenu de la chaleur, compte tenu de la tenue vestimentaire estivale, du jeu. On joue plutôt pas mal, je reconnais, j'avoue, je me fais et plaisir. Et du plaisir incessant d'être ensemble. Exactement, et là on se retrouve sur le trou numéro 13, donc le 13 est un par 4. Dont la distance est, je vais même pas regarder, 347 mètres. 347 mètres avec un dogleg, donc qui tourne là-bas. Et en fait, la particularité, à l'accueil, j'ai demandé quel trou je pouvais filmer. Et il m'a dit, oh, le 13 est plutôt pas mal. Et en fait, je viens de comprendre, regardez les arbres là qui sont en train de fleurir. Je sais pas ce que c'est comme arbre. C'est splendide. Donc, nous vous emmenons golfer, je vous emmène golfer sur le trou numéro 13. Allez, Christian, tu as la main. Montre-moi la ligne. Eh ben la ligne, je te dis, c'est par-dessus le petit bunker de droite, en fade. Vas-y. Et si elle est haute, tant mieux, parce que c'est pas si haut. C'est à 150 mètres, ça. Hein, donc c'est pas... Ça, c'est claqué. On ose et ça marche. Tu lui as mis une belle dose. Par-dessus. Par-dessus tout ça. Ah, alors, par-dessus, on a entendu un bruit d'arbre. Non, non. Ben, on a entendu un bruit d'arbre. J'ai pas entendu, moi. Moi, j'ai entendu. Donc, tu m'inquiètes. Ah, ah. Ah, il y a encore un arbre derrière. Elle je était le vois. Magnifique, oui. Tu vois le tronc. Et je pense que tu as passé, effectivement, le bunker. Ah, je sais pas, mais que tu as été. C'est le problème. Quand on ne connaît pas les parcours, oui. Il y a un petit arbre caché derrière, au fond. Okay. En fait, je m'aligne sur l'arbre en fleurs là-bas, qui est à gauche. Qui est à gauche du bunker en face. Voilà ce que je fais. Voilà. Ouais, hey. reste, ouais, superbe. Ah, tu passes à côté du bunker. Bim. Alors, j'ai passé le bunker, mais je me suis mis en sécu. Ouais, moi j'ai voulu couper. Il y a l'arbre, mais je pense que ça devrait aller. Oh, bah, c'est super départ. J'espère que t'as pas de dégâts avec, avec l'arbre et le bruit d'arbre. On va aller voir ça. Allez, on vous emmène voir. Alors, moi je me suis aligné un peu plus milieu. Christian a osé passer derrière le bunker. Enfin, par-dessus, sauf que au fond, tout là-bas, vous avez le green, l'indication donc 135, entrée de green, et en fait, je pense qu'on a du 140, 150 mètres. Le drapeau a l'air d'être au fond du green. Ok, donc Christian, voilà, est venu se bloquer là au pied de l'arbre, et donc. Je vais jouer pour 145 mètres et moi c'est un fer 5. Allez. Ah ! Raté ! Je viens de toucher l'arbre là-bas, je me suis même fait mal, j'ai gratté. Ah ! Est-ce qu'on met ça sur le dos de la chaleur? Est-ce qu'on met ça sur le dos de la soif? Est-ce qu'on met ça sur le dos de pourquoi tu fais pas ta routine? C'est peut-être ça. J'ai une routine que je suis en train de bouffer un peu. Allez, on revient au jeu, Christian. Il est sous l'arbre. Il va faire une balle basse, mais il maîtrise bien. C'est fait. Allez! J'ai pris l'arbre. Alors, on me risque à pas payer. Alors, discutons stratégie. Ah bah j'ai 90 je pense. Je suis là, là, ici. Donc un peu dans le rough. Il faut que je passe. Alors pas au-dessus de l'arbre, sur les branches, au-dessus des branches. Ok, au-dessus des branches. Je passe comme ça. Okay. Ah. Elle est mal touchée. Oh là là. On est au même endroit.
Je suis avec Christian, entrée de green, donc 1, 2, ah, en 3. Allez, Christian est en 2. Je suis en 3. Approche, putt, ça fait 4, 5, ça fait bogey. J'achète. Allez, regardez comme il est magnifique ce trou. L'ensemble du parcours est joli. Allez, Christian est devant, moi je suis derrière, je vais jouer une balle, je vais la pousser, faut qu'elle monte, faut qu'elle roule. Est-ce que ce sera assez là, comme depuis tout à l'heure, trop longue, je me suis retenu mais elle est pas mal. Christian. Oh, elle est jolie, Christian. Jolie. Toi, tu joues pour le par, là. Toi, ah non, pas toi. Non, mince. Non, non, j'ai un coup de plus, moi. Ouais, mais tu vois, c'est... C'est fou, je suis pas en confiance sur un putt d'un mètre. Ok, super. Jolie par. Jolie par, mon Christian. Joueurs, tu voyais bouger, j'ai failli... Eh oui, alors c'est ce qu'on se dit, là, sur les routines. On va faire gaffe. Allez. Allez. Prise de risque pas payée, mais ça marche, on sort. Reviens. Ah, pour une fois, il revient. Ouh. Pour une fois, il y a une vraie ponte. Ouais, hein? Bogey. Bravo. Eh bien, écoute, un par, Christian, bogey. Trou. Numéro 13, et ben pas mal. Christian fait le par, je fais le bogey. On a eu un superbe décor, c'est surtout ça. Regardez un peu comme c'est magnifique. Le golf d'Apremont, quand même, il est beau. Il est vraiment beau. Merci aux équipes. Il est plat, il est bien. Merci aux équipes et à Xavier de nous autoriser. Je vous emmène golfer. Et c'est un grand plaisir de vous présenter ce golf. Si vous aimez la chaîne, allez, un petit pouce, s'il vous plaît, un pouce, les amis. Et puis partagez, montrez un peu le plaisir du golf à vos amis, à votre entourage, à votre famille. Partagez sur Facebook le bouton partage, plus like. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube. Appuyez sur la cloche pour recevoir les notifications et partagez la vidéo sur YouTube pour faire connaître Je vous emmène golfer au plus grand nombre. Allez, je vous emmène golfer sur les terrains, le plaisir du golf et de la découverte de ces parcours.